Nous disons un grand bonsoir à chaque monde qui va avoir la chance pour regarder vidéo ça. C'est toujours quelqu'un content à chaque fois nous jouons une possibilité de faire une vidéo donc pour nous partager ça nous connaît ensemble avant. Non pas monde qui parle ensemble avant là c'est Maïs Oliwa. C'est toujours content pour nous faire ça me connaît ensemble avec nous. Voilà. Je dis à ça qui est important nous connaît qui dans moment là côté peuple haïtien beaucoup triste. Par rapport avec départ de Mika Ben. Donc c'est dans l'objectif ça, je vais vous présenter normalement une courte biographie de l'artiste Mika Ben. Voilà. Qui est Mika Ben lui-même? Qui est Mika Ben? Mika Ben de son vrai nom, c'est Mikael Benjamin. Des noms d'artiste ou nom de scène, c'est Mika Ben. Donc nous avons dit que Mika Ben fait Port-au-Prince 27 juin 1981. Donc c'est un jeune artiste donc qui parti. Jeune artiste ça nous capable dire qu'il est grandi sous influence de la musique. Donc c'est clair parce que nous connaît que papa qui c'est Lionel Benjamin. Donc les levé dans cala les jeunes papa la joue musique, papa la chanter, papa son grand artiste donc lui même tout il tout grandi avec influence ça. Donc c'est ça qui va le faire de très jeune. Que Mika Ben est capable de jouer piano, il est capable de jouer guitare, jouer batterie, jouer basse. Et nous sommes capables de dire que Mika Ben est un producteur. En 1990, c'est pour la première fois que Mika Ben a participé dans un concours qui était le Max organisé Triste Noël. Noël Triste, donc c'est là qu'il a remporté prix. Donc ça, tu as le balu. A plus le courage pour lui continuer à écrire, continuer à travailler. Pendant qu'elle était à l'école, pendant qu'elle a fait études, elle a continué à travailler. Donc, à dire artiste là, sorti on va la musique, elle a participé dans un groupe qui est le Crazy Music. Donc, elle a fait une belle expérience là-dedans. Elle a travaillé beaucoup avec le groupe ça. Et en après, elle est venue sortir, elle a travaillé en solo. Donc, nous avons enregistré que l'artiste là, c'est un artiste qui travaille en pile, c'est un artiste qui collabore avec tout artiste. Donc, enregistré que c'est pour un artiste, nous comptons de qui n'a bif à l'autre artiste, qui n'a polémite à l'autre artiste. Donc, c'est un artiste qui très collaboré avec tout l'autre artiste pour aider à avancer. En 2018, Mika Ben a sorti un album solo après qu'il était passé quelques groupes. Mais en 2018, il était sorti un album solo qui relie MKBN. Ok? Donc, c'est tout ça que nous avons besoin de connaître avec de Mika Ben. Et sur l'album, ça a été un valet vedette qui était sur lui, tant qu'un éléphant, Kevin, etc. Donc, Mika Ben a gagné deux petites. Et madame Nireli Vanessa Fofan. Donc, Mika Ben a deux petites et d'après toutes les informations que nous avons sur Instagram et que madame Li, qui c'est Vanessa, est enceinte. Cela veut dire bientôt que Mika Ben a gagné une autre petite, mais malheureusement, Mika Ben est déjà parti. Mika Ben, donc, il a participé à un concert que Karimi a organisé. Et à Paris, et que Mika Ben a fait une belle performance, côté de tout le monde. Et lever lumière, descendre lumière, lever téléphone, descendre téléphone. Nous avons regardé que la foule est vraiment foule. Yo, c'est une belle prestation que Mika Ben a fait. Et d'après tout ça, nous avons quelques vidéos qui ont partagé sur les réseaux sociaux. Nous avons depuis que Mika Ben a monté ce stand-là, qu'il n'est pas porté trop bien. Il n'est pas porté trop bien. Donc, pour te faire plaisir, pour te répondre avec exigence à la la musique qu'il te vient partager avec fanatique Lio, yo, il était obligé de jouer. Mais malheureusement, après la prestation, pendant la dérapé sur ce stand, pour la descendre, donc il est fatigué, il y a un arrêt cardiaque, et puis il est tombé. Malgré toutes les techniques, comme si tout ça a fait, oui, ouais, si tu cas. Jouer un artiste là, malheureusement, artiste là parti samedi qui était 15 octobre 2022 à Paris. Donc ça fait beaucoup triste. Et artiste a mouru à l'âge de 41 années. Donc nous espérons que les familles, les amis, les peuple haïtien
et joindre courage par rapport avec des pas à Tissa. Et en passant tout, nous souhaitons que famille, et spécialement madame, petite, papa, maman, joindre courage pendant le moment. C'est un plaisir de faire savoir sur la ville et former pour former. Nous t'a présenté un coup de biographie de Mika Ben. Et Mika Ben lui-même qui arrivait jeune dans mon lit à l'âge de 41 années. Donc il fait en 1981, il est mort 15 octobre 2022. Donc il est mort à l'âge de 41 années. Donc, d'après ton contact, à la prochaine. Ciao, ciao.